Du coup, je suis Pauline, je suis habitante dans le troisième depuis une grosse année maintenant. Je suis tombée amoureuse du quartier et de la vie d'ici. J'ai été, on va dire, dans les réseaux de l'association En Chantier, de la cantine du Midi et de la drogueria. Et du coup, c'était mon premier pied sur le quartier Belle de Mai spécifiquement et dans le troisième arrondissement. Du coup, depuis le début de la crise, là, du confinement, comment ça se passe dans le quartier? Enfin, par grâce à l'action de l'An 02 et de la fraternité, on avait des familles déjà identifiées qui se sont retrouvées à ne plus être accueillies, par exemple, par les Restos du Cœur, qui avaient fermé pour des raisons sanitaires et mises en péril en novembre dernier, je crois. Que la Croix-Rouge Belle de Mai également, en parents-enfants, avait fermé là pour la durée du confinement parce qu'ils n'avaient plus de bénévoles qui pouvaient accueillir ces familles. Et on savait que, par contre, il y aurait des choses encore ouvertes. Et on s'est dit que les familles qu'on avait pu rencontrer à diverses occasions sur le quartier, qu'elles pouvaient peut-être se renseigner, qu'il y avait par exemple la MDS, la Maison départementale de la solidarité qui était encore en marche. Il y avait le Médecin du Monde, il y avait le planning familial, il y avait la PMI aussi. Et donc, il fallait renseigner ces familles sur ces dispositifs encore en place. Parce que par exemple, la Maison des solidarités distribue des chèques-services. Qui pouvait peut-être dépanner en tout cas quelques semaines. Et puis il fallait qu'on identifie sur le quartier des distributions alimentaires qui fonctionnaient toujours. Et du coup, on a mis un système en place de bénévolat, compagnonnage, maintenant on appelle ça, c'est le bon terme. Et le compagnonnage, c'est des bénévoles des compagnons qui se propose sur la page Facebook, parce que du coup, ça a été notre premier échange sur Facebook, et aussi la mise en place d'un standard facile qui est en ligne, qui est un standard qui est disponible de 16h à 18h tous les jours de la semaine, et qui du coup va pouvoir renseigner sur les choses qui se mettent en place au niveau national et sur le quartier ou sur Marseille. Et du coup, c'est un numéro qui a été envoyé, qui a été très vite relayé dans les familles. Là, à l'heure actuelle, on reçoit une centaine d'appels par jour. Ah oui, quand même. Du coup, on a des permanenciers, c'est comme ça qu'on les appelle, qui renseignent aussi sur ce qui est fait sur le 3e arrondissement et sur les autres arrondissements aussi. Et c'était aussi notre énergie à trouver des collectifs jumeaux aussi dans les autres quartiers, parce que du coup très vite en fait le numéro a été donné à des familles sur le 2e, puisque nos jumeaux ils sont pas très loin de nous, sur le 13, 14, 15 arrondissement, 15e arrondissement, et plus récemment sur le 16e. D'accord. Et toutes ces actions, un peu tout ce qui se passe, est-ce qu'il y a une structure, quelque chose qui rassemble toutes ces initiatives? Pour l'instant, oui, il y a un intercollectif aussi qui est en train de se mettre en place. Et suite à la crise du logement insalubre aussi, on est déjà en contact, puisque du coup, ça touche aussi Belle de Mai. Et du coup, on était déjà un peu en contact avec, par exemple, le collectif 5 novembre. Là, maintenant, on est avec le panier en colère aussi sur le 2e. On sait que là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a des choses qui arrivent. C'est que le théâtre de l'œuvre aussi, sur Belzance, va faire un travail. Après, nous, on est en lien aussi. On a été beaucoup avec les collectifs El Mamba pour les maraudes du centre-ville. Parce que du coup, on avait aussi des appels du 2e. Avec Coco Velten aussi, pour essayer d'échanger là-dessus. Voilà, c'est tout un réseau qui se met en place, et il y a le collectif Solidarité Marseille Vivante, un truc qui aussi vient des États généraux de Marseille. Ok. Et comment est-ce que vous communiquez sur ce que vous faites, parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de monde? On est beaucoup, on a là pour le moment, après on s'est arrêté il y a une dizaine de jours pour réfléchir un peu, parce qu'on était arrivé à, en tout cas, sur le 3e arrondissement, on est arrivé à 190 familles.
Ok. Donc, ça fait à peu près 1000 personnes C'est énorme. à identifier. Ouais. Mais c'est cool. Et du coup, on a aussi 200 compagnons et compagnonnes qui se relaient aussi ensemble et qui vont aider les familles en termes de démarches administratives ou pour trouver des paniers ou des distributions alimentaires. Et les habitants, est-ce que les habitants eux-mêmes mettent un peu la main à la pâte, viennent faire les distributions, les maraudes, participent? Et c'est ça en fait. Enfin, on savait que sur Belle de Mai, il y a déjà une solidarité active qui est là depuis toujours, je pense, dans ce quartier. Et du coup, il fallait juste l'outil qui était la plateforme téléphone pour éviter aussi un système de contamination plus. Du coup, c'est juste les compagnons et compagnonnes qui vont faire les courses pour les familles. Et du coup, ça évitait aussi un système de distribution massive. Nous on s'est refusé en tout cas de le faire nous parce que c'est pas notre boulot et c'est pas notre engagement et du coup on a demandé on a poussé la métropole à le faire. Du coup il y a des distributions dans divers lieux sur le 3e. Nous on dépend, le collectif d'entraide, on est sur la maison du projet qui est à côté de l'école Bugeaud et du coup là à l'heure actuelle on fait des distributions le mardi pour 90 familles. D'accord. Avec le secours catholique qui distribue avec nous. Voilà. Okay. Et vous avez pris, est-ce que vous prenez des précautions particulières justement avec cette histoire de Covid? On aimerait avoir une salle, on fait tout par téléphone, on fait tout par internet, par des visios comme là maintenant, qui fait qu'il y a une énergie qui est encore plus déployée parce qu'il faut se connaître vite, il faut se connaître par téléphone, il faut faire des réunions où on a. Moi, je trouve que sur le collectif, on a une patience de dingue où des fois, on est 25 en réunion visio et qu'on attend pour pouvoir échanger. Enfin, il y a une très belle écoute, en tout cas, de la part de la Cordo. Et du coup, on est sûr à respecter le temps et l'engagement de tout le monde aussi. Parce que là, ça fait 5 semaines. Certaines personnes sont fatiguées et qui donnent de leur temps en plus de leur boulot. Et puis après, les compagnons aussi, en tout cas, eux, ont de l'énergie à revendre encore et on propose toujours plein de choses, donc ça c'est cool.